On parle maintenant de Tinder, qui est, avec le parc du Serengeti, la plus grande réserve naturelle de chacal au monde. La célèbre application de rencontre a décidé d'arrêter ses activités en Russie à partir du 30 juin. Ses dirigeants ont expliqué ne pas vouloir soutenir un pays qui bafoue ouvertement les droits de l'homme, même si en vrai ils sont déjà bafoués tous les jours sur l'appli, quand un homme écrit dans sa bio « pas de sentiments, que des centimètres ». Cet été... C'est toi ça, Étienne. C'est un genre de pote. Cet été, les Russes ne pourront donc plus utiliser Tinder, Mythic ou Inge, qui appartiennent au même groupe, mais ils pourront se rabattre sur des applications de rencontres locales comme Moscou d'un soir et Saint-Pétersboobs. Après, avec ou sans Tinder, le principal challenge pour les célibataires russes, c'est pas d'obtenir un date, c'est de s'en souvenir.